Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Sorbonne, mesdames et messieurs, bienvenue. Et aujourd'hui, nous partageons avec tout le monde un témoignage puissant que nous venons de revoir, de découvrir. Vous savez, cette semaine, nous avons perdu une personne connue et depuis jusqu'à même à cette heure, il est, nous allons voir, il est 3h24, je n'ai pas encore dormi. Mes frères et sœurs, les temps sont difficiles. Et ce qu'on voit à la télévision, faudrait que ça nous fasse peur maintenant. Regardez comment les jeunes meurent tôt. Le décès de ce star-là même, du coupé décalé, le 12, du 12 au 13 août 2019. À marquer cette génération. Alors que nous sommes en train de nous préparer à aller nous endormir, voici que nous découvrons un autre témoin puissant en relation avec celui-là même qui a créé le game, le genre musical. Ce genre musical qu'on appelle même le coupé décalé. En fait, on coupe et on décale. Mes frères et sœurs, ce que je viens d'entendre, j'aimerais partager avec vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux que Dieu lui-même nous aide à avoir son esprit de discernement? Mais je pense que nous devons commencer à croire. Parce que ce que nous sommes en train de voir maintenant là, c'est pas du jeu. On nous dira que coupé et décalé, ce sont des, en fait des mauvais esprits. Waouh! On dit qu'en fait ce sont les mauvais esprits. Ça veut dire que derrière ce genre musical se trouvent des mauvais esprits. Ou même des démons qui attendent les gens à l'enfer pour les torturer. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui vont aimer ce genre musical, même qui vont chanter, qui vont danser comme ça, seront tous en train de se positionner sur le chemin de l'enfer. Mes frères et sœurs, vraiment. Je ne savais pas que c'était réel. Mais c'est ce que nous venons de découvrir. Écoutons-le. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Il a dit, oh non, 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 non. Je ne peux pas supporter ici. L'enfer, on ne peut pas le supporter. Qui as-tu? Il me dit, moi c'est Duke Saga. Hein? Duke Saga, le président du coupé décalé. Coupé décalé. Yonga, Yonga. Je suis le président de coupé décalé. J'ai vendu mon âme à Satan. Duk Saga. J'ai dit que derrière moi, il n'y aura plus personne. Je faisais du désordre. Je buvais de la liqueur, des drogues. Je fumais la marijuana. Je faisais de n'importe quoi. J'ai donné ma vie à Satan de faire en sorte que mon nom soit populaire en Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier. Que après ma mort, il n'y aura personne comme deux. J'ai vendu mon âme à Satan. Satan m'a dit de lui donner son âme. Je lui ai donné mon âme. J'ai plus peur de quoi que ce soit. Dans notre club, je me couchais avec la femme de mes collègues. Je me couchais avec les femmes de mes collègues. J'étais gradé dans cela. Tu peux tout faire. C'est dans ce désordre-là que je me suis couché avec une femme béninoise et le mal est tombé sur moi. J'ai souffert sur cette terre avant de mourir. Je ne savais pas plus quoi faire. J'ai donné ma vie à Jésus, mais dans mon cœur, je savais que Jésus ne pouvait rien pour moi. Je m'en foutais de Jésus. Moi, j'avais pour père Satan. J'avais mon espoir sur Satan. Je portais des habits, donnais de l'argent aux blancs en Europe. Je faisais du chaud, 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 chaud. Je portais des habits sous mon cieux. Je faisais des désordres. Je chantais des désordres. Après ma mort, je suis venu ici. Regardez, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je faisais du coupé décalé. Il y a certains démons qui sont derrière de coupé décalé. Ils les découpaient. La main, les pieds, les bras. On les décale, on les coupe avec les couteaux. On les découpe. Ils ne meurent pas. Ils se reconstituent. D'aller dire à tous les Ivoiriens qui font du chaud, 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 qu'il n'y a rien dans ces choses de donner leur vie à Jésus. Qui agissent comme des animaux.
Nous, on s'en foutait de rien en Côte d'Ivoire. On n'a pas. On s'en fout mal. On fait de n'importe quoi, du désordre. D'aller dire à tous les Ivoiriens, son groupe de couper décalé, de lancer le couper décalé, de lâcher ce désordre. Ceux qui ont vendu leurs âmes à Satan pour que leur nom soit populaire, qu'ils arrêtent et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Eux, ils ont fait ça et ils sont en enfer, ils souffrent. Ceux qui doivent manger, ils n'ont pas. Même ceux laver, ils n'ont rien. Ils demandaient de l'aide au Seigneur Jésus, de le sauver, de le faire sortir. Que tout maintenant, il est prêt à se repentir. Les démons, on le dit, allez, décale. Et puis quand il se décale, il le coupait. Il se décalait, les démons le coupaient. Quand il se décale, on le découpait, on le découpait en morceaux. Il criait d'aller dire à tout le monde qui sur cette terre, qui tous ceux qui sont créés sur cette terre, qui fument de la drogue, boivent de l'alcool, et fait de la débauche, du désordre, l'adultère, d'arrêter toutes ces vies, sur tous les Ivoiriens, d'aller leur dire. On est où là? Ce qu'ils disent en Côte d'Ivoire, d'arrêter tout ça, on est où là? Que tout le monde me connaît, moi, Duke Saga, je fais du show. Partout où j'arrive, il y a du show. De donner leur vie à Jésus pour qu'eux ne viennent pas en enfer. De donner leur vie à Jésus pour ne pas venir en enfer. L'enfer est réel. Qu'ils demandaient de l'aide au Seigneur, de lui pardonner, que de lui faire grâce, qu'au retour sur cette terre, il va se repentir. Jusqu'à quand lui va sortir, il dit ici, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, je suis rempli de douleur. Jésus, aie pitié. Je me couchais avec les jeunes filles, la femme des gens, partout, je faisais de la bêtise. Dans des concerts, oh, il a fait des drogues là-bas, du désordre là-bas, de la débauche là-bas. J'étais désordonné, je faisais tout, je brisais tout. Et Satan, lui, est fier que nous faisons son œuvre. Mais je ne savais pas que ce travail que je faisais à Satan, je devais arriver ici. Allez dire à tous les chanteurs en Côte d'Ivoire qui font du show. Oh, j'ai fait du DJ plus que toi, mais je suis en enfer. En Côte d'Ivoire, en Amérique, à Londres, au Togo. Partout dans le monde entier, et tu fais du show, découper, décaler, tu tournes la main, tu coupes, tu décales. Je suis en enfer d'éternité en éternité. Il crie, il pleure, mais il n'y a plus d'espoir. Jésus m'a dit de le quitter. Et il disait, Jésus, ôte-moi de la main des démons. Malgré les habits somptueux qu'il portait, les grosses chaussures, il croyait que c'est lui qui faisait du show. Il est nu en enfer, il est nu. Il crie d'éternité en éternité. J'ai allé quitter. Quelqu'un encore qui crie là-bas. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Il a dit, oh non. Je ne peux pas supporter ici. L'enfer, on ne peut pas le supporter. Qui es-tu? Il me dit, c'est Duke Saga. Duke Saga, le président du coupé-décalé. Coupé-décalé. Yonga. Je suis le président de coupé décalé. J'ai vendu mon âme à Satan. Duke Saga. J'ai dit que derrière moi, il n'aura plus personne. Je faisais du désordre. Je buvais de la liqueur, des drogues. Je fumais la marijuana. Je faisais de n'importe quoi. J'ai donné ma vie à Satan de faire en sorte que mon nom soit populaire en Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier. Qu'après ma mort, il n'y aura personne comme d'eux. J'ai vendu mon âme à Satan. Satan m'a dit de lui donner son âme. Je lui ai donné mon âme. J'ai plus peur de quoi que ce soit. Dans notre club, je me couchais avec la femme de mes collègues. Je me couchais avec les femmes de mes collègues. J'étais gradé dans cela. Tu peux tout faire. C'est dans ce désordre-là que je me suis couché avec une femme béninoise et le mal est tombé sur moi. J'ai souffert sur cette terre avant de mourir. Je ne savais pas plus quoi faire. J'ai donné ma vie à Jésus, mais dans mon cœur, je savais que Jésus ne pouvait rien pour moi. Je m'en foutais de Jésus. Moi, j'avais pour père Satan.
J'avais mon espoir j'attends. J'ai porté des habits, donné de l'argent aux blancs en Europe. Je faisais du show. J'ai porté des habits sous mon ciel. Je faisais des désordres. Je chantais des désordres. Après maman, je suis venu ici. Regardez, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je faisais du coupé décalé. Il y a certains démons qui sont derrière de coupé décalé. Ils les découpaient. La main, les pieds, les bras. On les décale, on les coupe avec les couteaux, on les découpe, ils ne meurent pas, ils se reconstituent. D'aller dire à tous les Ivoiriens qui font du show, qu'il n'y a rien dans ces choses, de donner leur vie à Jésus, qui agissent comme des animaux. Nous, on s'en foutait de rien en Côte d'Ivoire. On n'a pas, on s'en fout mal. On fait de n'importe quoi, du désordre. D'aller dire à tous les Ivoiriens, son groupe de coupés décalés, de lancer les coupés décalés, de lasser ces désordres. Ceux qui ont vendu leurs âmes à Satan pour que leur nom soit populaire, qu'ils arrêtent et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Eux, ils ont fait ça et ils sont en enfer, ils souffrent. Ceux qui doivent manger, ils n'ont pas. Même ceux lavés, ils n'ont rien. Ils demandaient de l'aide au Seigneur Jésus, de le sauver, de le faire sortir. Que tout maintenant, il est prêt à se repentir. Les démons, on le dit, allez, décale. Et puis quand ils se décalent, ils le coupaient. Ils se décalaient, les démons le coupaient. Quand il se décale, on le découpait en morceaux. Il criait d'aller dire à tout le monde qui sur cette terre, qui tous ceux qui sont créés sur cette terre, qui fument de la drogue, boivent de l'alcool et font de la débauche, du désordre, l'adultère, d'arrêter toutes ces vies. Sur tous les Ivoiriens, d'aller leur dire on est où là, ce qu'ils disent en Côte d'Ivoire, d'arrêter tout ça, on est où là, que tout le monde me connaît, moi Duke Saga, je fais du show partout où j'arrive, il y a du show, de donner leur vie à Jésus pour qu'eux ne viennent pas en enfer, de donner leur vie à Jésus pour ne pas venir en enfer. L'enfer est réel, qu'il demandait de l'aide au Seigneur, de le pardonner, que de le faire grâce, qu'au retour sur cette terre, il va se repentir. Jusqu'à quand lui va sortir, il dit ici, Jésus, aie pitié de moi, je suis rempli de douleur, Jésus, aie pitié. Je me couchais avec les jeunes filles, la femme des gens, partout, je faisais de la bêtise. Dans des concerts, oh, il a des affaires de drogue là-bas, du désordre là-bas, de la débauche là-bas. J'étais désordonné, je faisais tout. J'ai brisé tout. Et Satan, lui, est fier que nous faisons son œuvre. Mais je ne savais pas que ce travail que je faisais à Satan, je devais arriver ici. Allez dire à tous les chanteurs en Côte d'Ivoire qui font du show. Oh, j'ai fait du DJ plus que toi. Mais je suis en enfer. En Côte d'Ivoire, en Amérique, à Londres, au Togo. Partout dans le monde entier, et tu fais du show, découpé, décalé, tu tournes la main, tu coupes, tu décales. Je suis en enfer d'éternité en éternité. Il crie, il pleure, mais il n'y a plus d'espoir. Waouh! Il crie, il pleure, mais il n'y a plus d'espoir. Jésus m'a dit de le quitter. Et il disait, Jésus, ôte-moi de la main des démons. Malgré les habits somptueux qu'il portait, les grosses chaussures, il croyait que c'est lui qui faisait du show. Il est nu en enfer, il est nu. Et il crie d'éternité en éternité. J'ai allé quitter. Quelqu'un encore qui crie là-bas. Il va. Mon Dieu. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce témoignage encore? Dans le témoignage puissant précédent, nous avons découvert où est allé une personne qui n'est même pas encore enterrée. Et c'était le témoignage d'un pasteur. Ah! Cette vidéo apparaîtra sur le camp juste ici. Vous allez voir. C'est toujours dans le même genre musical. Le coupé décalé. Mais pourquoi ces gens là mettent tout? Et bizarrement, le lien entre ce stade qui est là et ce stade qui est décédé, c'est que les deux sont morts tôt, à la fleur de l'âge. Et nous, on s'inquiète.
Pourquoi m'a-t-il ici? Ici, on parle de pacte avec le diable. Les gens veulent être au sommet, toujours au sommet, qu'ils veulent qu'on parle de toutes les générations. Ils veulent marquer les générations. Et pour pouvoir marquer les générations, ils vont faire des pactes, des alliances avec le diable. Quand ils vous parlent de Jésus-Christ, dans leur cœur, ce n'est pas Jésus qui est là-bas. Ils disent Jésus-Christ dans leur bouche pour faire plaisir à leurs fans. Mais en fond d'eux, ils appartiennent déjà à un autre groupe. Ils appartiennent déjà au diable. C'est exactement ce que vous venez de découvrir ici, n'est-ce pas? Et bien sûr que oui. Mes frères et sœurs, ça veut dire que nous ne devons plus écouter n'importe quoi. Et nous devons abandonner nos mauvaises voies. Parce que ça fait maintenant deux témoignages. C'est le deuxième que nous venons de découvrir en l'espace de quelques heures seulement. Nous continuons le boulot. Peut-être que nous découvrirons encore d'autres choses et nous partagerons avec vous. Que Dieu nous aide à découvrir la vérité. Abonnez-vous, activez la cloche. Cliquez sur le bouton, laissez la page d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne aussi. Et soyez prêts. Nous allons découvrir des choses extraordinaires ici. C'est parti.